Oh là 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 là, petit réveil avec cette vue directement en face de moi. Ça arrive pas souvent, je suis dans mon lit et je vois ça en face de moi. C'est magnifique. Attends, mais je viens de réaliser là. On a passé la meilleure nuit en fait. Il y avait aucun moustique, il y avait pas de bruit pendant la nuit. Tu te réveilles, t'as une vue magnifique. J'ai clairement passé la meilleure nuit du voyage. T'as bien dormi toi? Ça va quoi? T'as bien dormi? Salut, ouais j'ai bien dormi. T'as pas réveillé la lumière? La lumière là? Bah j'a... pourquoi il est quelle heure? Bah il est 9h30. Ah il est 9h30 là? Bah en vrai je t'avoue que ça m'a pas réveillé. Mais après moi maintenant j'ai l'habitude, tu sais que moi je dors avec les volets ouverts tout le temps. Parce que moi je kiffe me réveiller et direct j'ai le soleil dans la gueule et je fais waouh, c'est parti. On est parti pour le jour 4 qui va être une journée extraordinaire. Hop là, ça prend le petit déj. Ouh, tu vas prendre la petite douche là? Attends, ça a bien vu. Regarde, une petite douche vue surtout. Attends, tu vas te doucher là? Ah oui, avec le van. Oui, tu. Hop. Attends, mais... Et du coup, là, t'as ton petit pomo. Tac. Et là, il faut que Dobby active la pompe à eau, c'est le milieu droite. Oh. Oh. Mais du coup, là, on est obligé de se doucher en maillot de bain. Ouais. Voilà, oui. Aïe, aïe, aïe. Il y a des murs. Non, je pense pas. De quoi? Je serais pas si sûr que ça, moi. Bah, si, c'est des murs, ça. Bah, j'en suis sûr et certain, c'est des murs. Et là, tu vois, elle est pas trop mûre, mais c'est une mûre. Oh, elle est acide. Ah, oh, ça. Il reste 50%. Ça utilise des pourcents de quoi? Bah, d'eau, pas des pourcents de vie. Ah, là, il y a écrit. T'as utilisé 40%? Attends, alors que t'as rien utilisé quasi. Et du coup, là, il reste 50%. Ok, donc j'ai intérêt à me grouiller, t'inquiète. Elle est vraiment froide, hein. Non, elle est. Tu vas voir. T'es trop collé au van, là. Oh, là, elle a l'air froide. Ça va. Attends. Je suis pudique. Regarde, il se mouille la queue là. Parce qu'il en reste. Tu casses les couilles. C'est bizarre de. J'adore ça, Michou. Oh, j'adore ce que tu fais là, ce que tu proposes. Je suis en train de réaliser là. T'es à un mètre de moi, je suis en train de me laver, tu regardes. Je crois que les gars, c'est la première fois que vous voyez Michou se doucher en vrai. Bonne petite douche. Est-ce que là, je sens l'oignon, Bouzy? Là, je sens plus l'oignon. Les amis, c'est l'heure de l'opening du t-shirt Balenciaga. C'est un t-shirt classique, donc si vous êtes hype pendant un jour là, vous allez être un peu déçu, mais moi je le trouve magnifique. Là, il a l'air extrêmement grand sur moi parce que c'est oversize. Tout ça pour avoir la glace. Tout ça pour avoir la glace, Balenciaga. Avec bien sûr un petit truc dans le dos. Attends, mais. Ah oui. Mec, j'ai jamais eu un t-shirt aussi oversize. Un t-shirt. Un t-shirt. Je suis trop content, les gars. J'ai acheté mon petit t-shirt Balenciaga à Monaco. Ouais, t'es plutôt sexy, toi, dis donc. Bah. Franchement, j'aime bien aussi, moi. Non. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Pas, toi. Je kiffe mon flow du jour, je suis trop content. Oh là 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 là. Mais quelle vue! Du coup, les petits potes, bah, on retourne à Monaco. On a prévu un petit truc à Monaco. Vous allez voir, je pense que ça va être plutôt sympa. On va rejoindre quelqu'un. Oh, Monaco! Ok, j'arrête avec cette musique. Mais attends, par contre, le nuage, il va tomber sur notre tronche ou c'est comment, là? Pourtant, il fait beau. Là, pour toi, là, il fait pas beau, là. Ouais, là, il fait pas beau. Vous allez bien ou quoi, les gars? Là, il fait pas très beau, là. On est avec des abos du sud. Vous venez de Monaco? Ouais, Monaco. Vas-y, bah, ça tue, hein. Oh, le steak and shake. Oh, le steak and... Ça, c'est meilleur que McDo, les gars. Je vous le dis, steak and shake, c'est mon fast-food préféré. Oh, t'es ma, gros, ils font des milkshakes. Ils font des milkshakes, c'est des délices. Attends, mais je rêve. C'est une borne pour commander alors que t'es face au mec. C'est la première fois que je vois ça. Oh là là, Dobby, regardez comment elle est concentrée. Oh lolo. Vas-y, je prends l'original. Non merci. Eh, il y a frites cheddar, mais... Ah ouais, attends. Mais moi, en fait, je veux le cheddar à côté, je vais lui demander. Petite citronade. Oh, la petite citronade. Oh, le milkshake. Oh, le milkshake. Magnifique, magnifique. Let's go, les gars. C'est carré. Bien, merci à vous. Merci beaucoup. On se pose là, non? Magnifique. Ça, il y a du bacon, c'est à toi. Allez, où ma citronade? C'est celle-là. Petite citronade. Bon app. Bon app. Oh, oh, la citronade, elle est parfaite. Et là, les gars, on est sur un des meilleurs burgers que j'ai jamais goûté. Et merci la van life. Hein. Attention, les gars. Là, je vais faire un combo burger cheddar. Oh, lolo, lolo. Il y a le zone de buzz qui dit c'est moins gras. Mais attends, c'est incroyable. Bon, les gars, je commence à avoir peur parce que là, je me suis pété le bide. J'ai trop mangé, j'ai encore mon milkshake. Et en plus, cet après-midi, on fait une activité où là, si j'ai trop mangé, je vais peut-être vomir. C'est vrai. Du coup, je commence à stresser. Automobile Club. Mais attends, je suis mort. Genre, c'est un truc de visite de Formule 1. C'est quoi ça? C'est un moteur de Formule 1, ça? Moteur RS27. Non, c'est écrit, c'est RS27. Bouzy, là, il va pas repartir bredouille. Oh, c'est trop stylé, ça.
Incroyable ça. C'est une coupe de Formule 1 ça. Deuxième rallye historique. Ah là, Bousier et Dobby sont dans leur élément. Oh c'est trop stylé ça. C'est un mini moteur Ford. Ouais, Ford Cosworth. Oh c'est trop stylé. Par contre ça coûte cher. Oh la casquette. Ça y est là il est en train de voir ce qu'il peut acheter là. Mec tu mets ça gros, ta voiture elle roule deux fois plus vite. Oh là 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 là, Bousy. J'ai craqué. Oh le petit achat. T'as la 83. T'as craqué. J'ai la 83. Et en plus tu me l'as montré, t'as dit. Les gars, il me l'a montré, il a dit. Oh c'est incroyable, c'est trop stylé toi. Il a craqué. Oh, c'est parti sur deux petits achats là. Elle m'a dit 60 euros, mais elle m'aurait dit 200, j'aurais quand même pris en vrai. Parce que ça, c'est mythique. Mais ouais, attends, c'est une réplique. Ça coûte pas cher. Hein. C'est une réplique officielle, il y en a que 200 dans le monde. Ouais. Et c'est à 60 euros. 60 euros. Mec, je suis choqué. Hein. Ouais. C'est en vrai, c'est pas cher. Dans 20 ans, non mais ça, c'est dans 20 ans, je la revends 3000 euros. Ah non, peut-être pas 3000. Bon, du coup, on est clairement en train d'attendre, les gars. On est en train d'attendre. Il y a GMK qui vient nous chercher. Bah voilà, il a dit. Pour ceux qui connaissent pas, les gars, GMK, c'est un youtubeur basé sur l'automobile. Il habite à Monaco. Et du coup, bah il a des voitures de fou, etc. Il va nous faire monter dedans. Peut-être même tester. Je sais pas s'il va nous faire assez confiance pour nous faire conduire ses voitures. Parce qu'il a des vrais bolides. Mais voilà, là, il y a GMK qui vient nous récupérer. Et il va nous montrer un petit peu son garage, quoi. Attention. Oh oui. Ah ouais, ça te va. Hein. Bon, les gars, j'ai pas le temps avec vous, là. Oh, attends, je reconnais cette voiture. Il est énorme. C'est un plus. Oh non mais attends mais je rêve. Mais attends mais la couleur elle est incroyable. Ça va ou quoi? Et toi frérot, ça va bien? Ça va hein, ça dit quoi avant? Les gars on est avec GMK hein, voilà, le boss en direct de Monaco. Et gros la voiture mais je crois que j'ai jamais vu ça là. C'est GLE 63 un peu modifié frérot là. C'est que... Ouais un peu modifié ouais j'ai l'impression. Déjà rien que le capot à l'avant là, ouais, il est agressif. Un peu anodisé qui... Ouais c'est ça. C'est pas mais ouais la couleur j'ai jamais vu ça. La couleur je suis en train de la faire sur d'autres voitures que j'ai parce que je kiffe de ouf. En fait ouais. La nuit ou quand t'es à l'ombre, on dirait un gris mat, tu vois, classique. Et dès que t'es au soleil, tu vois, par exemple, là, si je me mets là où il y a le soleil ici, tu vois, les reflets de la voiture, ils changent. C'est-à-dire, de dehors, tu la vois limite en caméléon, la voiture, tu vois. Ah ouais. Un peu de violet, vert, rose. C'est ça, ça fait vraiment couleur caméléon, tu vois, donc c'est ça qui est pas mal. En fait. Et par contre, tu sais que j'ai peut-être un peu trop mangé. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est possible que tu vomisses après, hein. Non, c'est vrai. Ça peut être possible, je pense. Parce que j'ai vu, t'as fait tester Inox un peu. Inox, il a conduit la Ferrari, okay. La 458, là-bas qu'on va. Tu lui as fait conduire une de tes voitures. Ouais, mais toi tu vas conduire celle-là aussi aujourd'hui. Celle-là? Bah oui, franchement. Pour voir si t'aimes bien ou pas, tu vois. Comme oh ça, oui. Tu seras vraiment comme décidé. Ça, plus tard, si je veux l'acheter, je me dis, ok, voilà. J'aime bien. Tu sais qu'il a peur de conduire un trafic Renault, alors un GLE 63 et. Bah, je t'avoue que. Après, mais en même temps, trafic, c'est plus. Ouais, non, là, je vais avoir trop peur. Tu vas essayer le GLE de luxe, de machin, mais t'as jamais essayé le GLE de basique. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, quand tu vas essayer le basique, après, tu vas te dire, mais c'est de la merde. Mais toi, tu vas normal. Peut-être pas, je vais dire, c'est de la merde, mais je vais redescendre un peu. Là tu vas faire un... Wow. Ah oui. Ah oui. Après tu vas me faire faire un tour dans une autre voiture. Ouais après on va faire un tour dans une Ferrari. La Ferrari elle est un peu plus dynamique que ça. Frère. Ouais, bah elle est plus légère quoi. Puis elle est plus brillante aussi. Ah parce ouais que tes oreilles ouais vont avoir du mal à s'en remettre. À ce moment là. Ouais normalement. Ouais. Grandes oreilles là. Attention là on va découvrir vraiment la carrosserie. Oh lolo. Ah mais attends mais t'es grand. Oh, je fais la taille d'un cheval d'un pur sang frérot. Fallait une voiture qui va avec moi frérot. Mec là j'avoue la voiture elle te va bien. Tu vois la peinture, la couleur, elle est gris mat, tu vois, si tu leur montres. Ouais c'est vrai que tout à l'heure quand t'es venu, j'ai vu il y avait des petits reflets un peu rose bleu. Ah là on le voit un peu là. Voilà, dès que t'arrives un peu à la lumière, quand on va l'arrêter en plein soleil, tu vas voir la différence. Oh. Mais tu vois là du coup tu vas conduire ça aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que t'en dis du coup? En vrai, j'ai trop hâte, mais j'avoue que ça me stresse quand même un peu. Mais normal. Et là, t'as le moteur, bon, classique. Et ça, c'est le préparateur, celui-là. Ça, c'est Sandro, frérot. Donc, on peut remercier Sandro. C'est lui qui a assemblé ce jeune moteur à la main. Ah parce oui que chez AMG, t'as un ingénieur, j'allais dire un mec, mais bon, c'est des ingénieurs, qui assemblent les moteurs. C'est-à-dire, c'est pas eux qui le construisent, mais c'est eux qui vont coller les pièces les unes aux autres okay pour que le moteur, bah, du coup, devienne le moteur. Et là, bah, c'est Sandro. Là, c'est Sandro. Mec, l'aileron, il est magnifique. Ouais, l'aileron, il est pas mal. En fait, t'as un double aileron. Donc, ici, t'as un béquet. Donc, un béquet, en gros, c'est ça. C'est un petit bout de plastique qui remonte. Et sur le béquet, au-dessus, t'as l'aileron. T'as comme un double aileron, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Bon, je la conduis, tu files les clés. Vas-y, hein. Comment il dit ça? Déjà, là, t'as mes réglages de siège. Donc, je sais pas si au niveau... Ah oui. Bizarrement, je pense que là, les réglages de siège, ça va pas être les mêmes. Est-ce que tu penses que t'arrives à conduire comme ça, du coup? Bah, déjà, mon pied touche à peine la pédale. Ouais, on va clairement régler les sièges. Ici, frangin, t'as de quoi régler ton siège. Donc, tu vois, ah oui, j'avoue. Là, tu peux l'avancer. Là, tu peux le remonter. Là, tu peux remonter le dossier. Je sais pas toi, mais moi, je conduis tout le temps ultra près du volant. Ah ouais? Ouais, moi, non. Ah ouais, tu l'as bien.
bien monté quand même là, en effet, ouais. Bah là, je suis bien là. Donc... Vas-y, essaye de rentrer. Par contre, je rentre pas moi là-dedans, t'es un ouf. Ah oui, ok. Ah oh, bah ça va. Ouais, je peux pas conduire. Faut ouvrir le toit ouvrant. Du coup, le mec qui est assis derrière, il... ouais, voilà, avec le toit ouvrant, tu vois, c'est possible qu'il y a ma tête qui sorte du toit, tu vois. Là, on est pas trop mal là, tu vois, pour... Allez. Donc là frérot, t'as conduit, toi c'est quoi ta voiture? C'est boîte automatique ou boîte manuelle? Moi c'est boîte auto, ouais. Boîte auto, bon. Donc, bah alors tu connais le principe, le voilà. Pied sur le frein, tu passes en D. Bah moi je crois que je suis bon, hein. Pied sur le frein du coup, okay. Tu freines, t'as la boîte de vitesse, elle est là. Donc okay. Là tu vois, on a un premier obstacle, c'est d'essayer de pas arracher le côté de la voiture en sortant, tu vois. Là tu peux serrer à droite un peu. Ah bah là vraiment énorme. Après ouais, elle est énorme. Là je vais où là? Alors là tu vas pouvoir tourner à gauche, avec clignotant, tout, d'accord. Ah mais oui. Très très bon élève, vous en dites quoi les gars? Bon élève, non? Franchement ça va, ouais. Ouais. Là, je m'habitue là, je peux pas accélérer encore. Alors voilà, là, premier obstacle. Là. Mais tu vas voir, ça passe tout seul au final, tu vois. Et regarde, voilà, c'est passé. Ah ouais, c'est passé. Ouais, là, je me sens prêt là. Ah, déjà, ça y est. Là, je me sens prêt à appuyer sur l'accélérateur. Ah, ok, ça va là. T'arrêtes. T'as raison, elle accélère pas d'un coup. Ouais, parce que là t'es en mode confort, donc en mode confort en ah fait, oui, y a ça aussi. Elle se met en 4ème, 5ème vitesse et il faut vraiment appuyer tout à fond pour qu'elle accélère. Pour qu'elle comprenne. Par exemple là je vais te mettre en mode sport vu que ça y est, tu vois, t'as déjà, ça se voit que t'as pris du galon là. Ok. Vois. Donc là t'es en mode sport. Sport normalement ça devrait accélérer un peu mieux. T'es prêt là? Vas-y, envoie le pâté, vas-y, soude. Ouais, non, là je pouvais pas continuer à accélérer. Là, t'as fait un 0 à 42 qui était très agressif, frérot. Ah ouais, ouais. Là, je t'avoue, là j'ai mis le pied. Hein. Ouais. Là, j'avais le pied lourd. Et là, le pot de la voiture, l'échappement il est modifié, tu vois. Ouais, mais là il a pas pété encore. Non, parce que c'est un autre mode où il pète encore. Mais tu vois, On débloque petit à petit. C'est comme dans un jeu, tu débloques d'accord. Petit à petit les. Là, je suis niveau combien là? Là, t'es niveau 2, c'est bien. Ah, c'est tout? Ouais, bah ouais, t'es niveau 2 sur 4. Ah, ok, ça va alors. C'est pas genre 2 sur 100, tu vois. Et là, tu viens de gagner un niveau, tu vois. Oh. Donc là, t'es en sport plus, là sport. Ça pète. Attends, mais il y a un niveau après sport plus? Ouais. Attends, ouais. T'es prêt ou pas? Ouais, tu vois, ça pète là. Ah oui. Oh! Ah ouais. Voilà. Là, ça attends. Pète. Attends. Oh! Y'a pas de poignée pour s'accrocher. En gros, je me fais plus confiance que le bouger et Dobby. Ah ouais? Alors que c'est méga sûr, hein. Mais derrière. Mais on sait que. Non, mais le problème, c'est que nous, on te connaît et que lui, il te connaît pas trop. Ça, c'est le problème. Mais on sait que tu fais quand même gaffe. Bah, après, je fais attention à ma vie aussi. J'ai moins peur avec toi qu'avec Inox, tu vois. Ah ouais? Alors, Inox, il avait une conduite très innovante. Est-ce qu'il t'a mis des coups de pression un peu quand il conduisait? Non, ça va, frérot. Bah, moi, je t'ai dit, après, il arrive ce qu'il arrive, tu vois. Mais non, il conduisait bien, franchement. Donc là, frangin, tu vas rentrer dans le petit tunnel. Ça va tourner un peu. Après, t'as un petit bout de ligne droite. On peut baisser les fenêtres. Une petite dernière Axel. Ouais. Ta gueule là. Ah ouais. Elle est énervée la voiture. Oh hein. Lolo. Et là ça a pété hein. Ouais, là ça a pété fort. Et le jour où tu la vends, tu m'appelles. Vas-y, c'est bon. Du coup là, on dépose Bousier Dobo Trafic et tu m'emmènes dans la Ferrari. Je t'envoie en enfer dans la Ferrari. Ouais. Ok, ça part. Ah oui, la couleur là c'est clairement plus la même là. Bah, t'as vu, plus le soleil tape dessus, plus ça chauffe. Ah ouais. Plus ça change, tu vois. Ah, c'est quand la carrosserie elle est chaude. Bah, c'est avec la chaleur en fait, tu vois, et la lumière. Je pensais que c'était avec la lumière. Ah oui, ouais, c'est un peu les deux. Mais tu vois, si tu touches ça, c'est brûlant, frérot. Oui. Ouais, tu vois, tu peux faire cuire un œuf dessus et le manger dans Patrick. Tu peux faire cuire un œuf et tu le manges dans Patrick. Franchement, on est bien. Ça, c'est la poêle chauffante. Vas-y, bah, gauche, c'est toi. Hein. Du coup, là, je vais voir ton garage. Bah, tu vas voir là dans le garage où on va. Ah, t'as plusieurs garages? Ouais, bah, parce qu'à Monaco, c'est dur d'avoir toutes tes voitures dans le même garage. Ouais, tu vois. Ouais, ça aurait été incroyable d'avoir 12 voitures dans un garage GTA, quoi. Donc, là, on va voir la Ferrari et y a celui-là, du coup, et la Ferrari. Mais la Ferrari, okay, tu vois, elle est bien tuning. Là, on va voir la Ferrari. Ouais. Là, celle que tu vas me mettre dedans, c'est celle que Inox il a conduit. Ah, Inox il l'a conduit, ouais. Ok, d'accord. Mais là, on va la conduire un peu plus agressivement que. Ouais, là, c'est toi qui vas la conduire. Voilà. Là. Oh non. Ah non mais attends, mais là, non mais là c'est... Eh là c'est trop là. C'est la Batmobile, frère. Mais là c'est même plus la Batmobile. What the fuck. Les gars, là on va faire une vidéo pour sa chaîne où du coup je monte dedans et c'est toi qui conduis. Voilà. Donc tu vas m'envoyer en enfer. Je t'envoie bien en enfer. Donc avec les gars, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, la vidéo est dispo. Ouais. Et du coup après nous on va se retrouver, tu vas me laisser la conduire. Ouais, tu vas la conduire, ouais. Ça c'est encore un niveau au-dessus du GLE. Ça c'est un niveau au-dessus. J'ai peur. Gars, c'était sport. J'ai envoyé en enfer. Là, on s'est un peu calmé, on est arrivé dans un village et du coup, ça va être à mon tour de conduire. Alors, ça va être à ton tour de conduire cette jeune voiture, frérot. Ça y est. N'empêche, ça va être la première Ferrari que je conduis de ma vie et c'est quelque chose. La première fois, c'est toujours marquant. Là, est-ce que c'est bien au niveau du volant? T'as besoin de le descendre un peu? Ouais, faut le descendre. Alors, ouais. Tu vois, t'as une petite gâchette sur la colonne. Tu peux le descendre en appuyant vers le bas ici. Ok, je pense que c'est bon là, ouais. Ah, frérot, il va m'envoyer lui en enfer cette fois. Mais
Mec, on dirait un jeu vidéo. Ah bah, c'est comme dans les jeux vidéo. T'es mal volant. C'est exactement comme dans les jeux vidéo. Mais attends, mais c'est incroyable. Ah bah. Des voitures de jeux vidéo alors que c'est quelque chose. Hein. Ouais. Et les klaxons, ils sont là? Ouais. Ok, vas-y. Alors là, pour passer la première, t'appuies ici et les palettes. Ah, y a que les palettes. Non. Tu peux... Là, je t'ai mis en automatique, c'est bon. T'accélères et tu tournes. Tu passes pas les vitesses. Tu t'occupes pas des vitesses. Je freine, j'accélère. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais, clignotant, c'est ça. Ouais. Clignotant gauche, clignotant. Là, je vais où? Je vais à gauche. Là, on va aller à gauche. Donc là, faut que tu avances doucement. Là, à droite, y a personne. C'est bon. À gauche, y a quelqu'un. Ça y est, c'est parti. Alors toujours avec cette voiture, très important quand tu accélères, il faut que tu sois tout le temps avec le volant droit. Tu peux pas accélérer dans un virage ou quand la voiture est en train de tourner parce qu'elle glisse très très vite. Ok, Dak. Là, là, elle est en mode tranquille parce que je t'ai mis en mode sport, mais maintenant, tu vois, je peux te mettre. Voilà, là, c'est en un mode, tu vois, déjà, là, ça... c'est plus vénère, là. Tu vois, là, si t'accélères un peu, vas-y, accélère un tout petit peu. Tu vois, voilà, petit à petit. Ah oui, d'accord. Là, tu vois, tu prends l'habitude petit à petit. Ah voilà, oui. Tu vois, là, ça rétrograde. Ah ouais, là, t'as mis un mode. Hein. Là, je t'ai mis le mode niveau 4 sur 4, là, frérot, direct. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Là, c'est pas mal, hein. Voilà, là, faut que tu freines bien. Voilà. Ah ouais. Là, faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y a déjà le radar qu'on s'est pris tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai que les gars, on vous l'a pas dit, hein. Mais tout à l'heure, malheureusement, avec le GLE, tu vois, j'étais à genre, je pense que j'étais à quoi, 60 au lieu de 50. Ouais, 60, 62. Et du coup, on s'est fait flasher. Bon, frérot, là, on va reprendre le petit tunnel. Comment? Ah, ça y est, t'as pris la grosse tête déjà? Bah, je suis au bord de ma féfé, quoi. T'as changé, hein. Bah, fais gaffe, hein, je te fais confiance, hein. T'inquiète, bah oui, donc t'inquiète. Endiablé, frérot. Pourtant, j'ai voulu y aller doucement. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, j'ai vu au début, t'es parti tranquille. J'ai pas accéléré d'un coup, mais l'accélération m'a fait quelque chose quand même. Hein. Ah bah, bon, là, frérot, t'es arrêté. On est clairement arrivé avec Patrick. Voilà, avec chez Patrick. Frérot. C'était incroyable. Incroyable, hein. Ça va, Bouzy? Frérot, il a conduit. Il a conduit. Mec, dis-toi que j'ai conduit ça. Hein. Ah ouais? Ça va, j'étais pas trop stressé. Ça va, il conduit bien? Ouais, ça va, franchement, ça va. Oh là là là, gros, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Elle est énervée, hein. Bah, les gens ils sont choqués à côté. Ah ouais, les gens, frérot, ils ont. Ça y est, mais gros, ça attire trop les regards cette voiture. Attire trop attention cette voiture. Oh là là, ça va ou quoi? Les gars, j'ai conduit une Ferrari, j'ai perdu le nom. T'as vu, je suis sous le choc un peu. GLE 63S. Je pense que j'ai conduit les deux plus belles voitures que je conduirai pas avant longtemps. Ouais. Bon, bah c'est bien. Moi je propose un truc, c'est que la prochaine fois, on le fasse en Bugatti. En Bugatti? Ouais, Bugatti Chiron. Attends, mais Bugatti, faut les trouver. Ouais, mais ça t'inquiète, ça. J'arrive à les trouver, ça. Ouais. Les Bugatti, y'en a combien en France? Ouais, y'en a pas beaucoup, mais on va les trouver, ça, c'est pas le problème. Mais tu sais que Bugatti, ça fait peur. Hein. Ouais, mais ça, tu vas kiffer. Là, tu vas avoir des vraies sensations. Bah, mais gros, après, tu me demandes si je suis chaud. Bien sûr que je suis chaud. Ah ouais, la Bugatti. Tu me proposes d'aller dans une Bugatti, mais bien sûr que je suis chaud. Bugatti, tu vas kiffer, frangin. Bah, dites-moi si vous kifferez, mais je pense. Dites-lui dans les commentaires de cette vidéo si ça vous intéresse, une vidéo où il monte en Bugatti. Je suis pas sûr qu'il pourra conduire. Je peux pas m'avancer pour rien pour l'instant parce que ça sera pas ma voiture. Donc, faudra que je demande à mon ami à qui elle appartient. Mais s'il est d'accord, tu pourras même la conduire, tu vois. Voilà. Mec, tu m'as emmené, en tout cas, tu m'as emmené dans le futur. Bah écoute, avec plaisir, frangin. Ah, mais attendez, parce que là, en gros, t'as oublié un sac dans le GLE. Ouais. Donc faut qu'on retourne là-bas, là. Faut qu'on retourne au parking. Mais du coup, quand on va le récupérer, je peux embarquer quelqu'un avec moi en voiture, tu vois. Moi, je suis chaud. Hein. Oh, ah, là, c'est la première fois ici. Qui monte dans la féfé, les gars? Tu vas, Dob? Je suis chaud, moi. Ça se voit que tu veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre que toi qui conduise Patrick. Ah, non, c'est pas pour ça. De toute façon, on attend là. Oh, Dobby va monter dans la féfé. Dobby va monter dans la féfé. Vas-y, Dobby, tu prends la cam et tu vlogs. Vas-y, si tu veux. Bon, bah, du coup, les gars, Dobby monte dans la féfé. Hein. Allez, je m'en vais. Bon, Mich, je te le dis. Si ça se passe mal, c'est ta faute. Mais je suis entre deux mains parce que je pense que t'es revenu en vie, Mich, et que ça s'est bien passé. Mais il a conduit, hein. Ouais, moi, passager, c'est parfait. Je kiffe. Et tu roules surtout là ou des fois tu la mets sur. Non, tu la mets pas sur des circuits. Alors, ouais, circuit, non, parce que moi, je suis vraiment maniaque avec mes voitures. Ouais. Déjà, de un, j'ai pas la prétention d'être un pilote. Sûrement que sur circuit, je me ferais mettre du à plaisir, la bande. Quoi. Voilà, moi, c'est du plaisir. Je me débrouille. J'ai un petit coup de volant sympathique. Ouais. Je suis pas un pilote. Je prends mon pied, entre guillemets, sur les routes de montagne ici quand elles sont dégagées, qu'il y a pas trop de monde. Et voilà, sur circuit, je pense pas que je serais très bon. Ok, bah chacun son kiff. Hein. Pas du bruit. Bon, le Dob, t'as kiffé ou quoi? Pas ouf. Non, je m'attendais à des trucs de ouf, genre. Arrête. Genre, je me dis que en Mégane, je suis mieux, tu vois. Oh. là, tu mens. GMK? Merci à toi. Encore 6 mères, hein. Bah, de rien, François. C'était lourd de ouf, gros. GMK, le boss. Bonne route, en tout cas. Bah, dès qu'on passe par là, on te fait plaisir. Bisous. François.
Aïe aïe aïe, ça repart. Ça va, t'as kiffé? Ouais, c'était cool de ouf. Est-ce qu'il t'a fait une axel de fou? Non, on a pas fait d'axel de fou, mais on a fait des gros axels quand même. Ok, ok, ok. Bon, bah ma petite bouse, on est reparti. On est parti, donc là, Michou. On quitte officiellement Monaco. Ah, mais tu sais où on va, Michou, en fait, ou pas? Non, il on sait va... pas, Michou. Dans un camping. C'est vrai? Wouh. C'est reparti. On retourne en camping. 5 étoiles. On prend les mêmes et on recommence en fait. 5 étoiles. L'emplacement qu'on a, c'est plus grand que chez toi. Ah ouais. Ton appart est tout réuni. Donc là, direction camping 5 étoiles. Direction le domaine du Verdon, pas loin des gorges du Verdon. Ça, ça sent que demain on va peut-être aller aux gorges du Verdon. Exactement. Ok, ok. Bon bah les gars, direction camping. Ah oui. On est carrément dans une ville. On arrive quelque part là. Domaine du Verdon. C'est un camping ou une ville? Ouais. Par contre, Bouzy, il y a un truc qui me fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le camping. Beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Bon, c'est mort, les gars. Quoi? Faut le pass sanitaire de tout le monde. Ah, faut le pass sanitaire? Ouais, on a quoi en plus, frère? Ah, il y a pas de quoi. Donc là, on peut pas aller au camping. Non. Ok, bon, bah, soirée camping annulée. Bon, remboursement impossible, mon ref. Hein? T'as payé combien? 75 euros. Pourquoi elle m'a pas dit qu'il fallait un pass? Ah, bah, c'est ce que je lui ai dit. Elle m'a dit, bah, en fait, chez nous, c'est appliqué depuis le début. Du coup, bah, voilà. Ah, ouais, donc là, c'est. C'est trop tard pour faire un test antigénique et trop tard pour rembourser parce qu'il fallait. Et c'est trop tard pour faire un test? Ah, oui, donc. C'est trop tard pour rembourser parce qu'il y a un délai à respecter. C'est presque une amende, place handicapée. Mais si on va dans un resto, est-ce que tu penses que si on fait ami-ami avec le gars, on peut pas brancher la grosse batterie? Ah putain, c'est vrai qu'en fait les gars, en fait les gars, je vous explique, on voulait aller dans un camping à tout prix parce qu'on a ça, à recharger parce que ça c'est ce qui nous sert de recharger nos téléphones, nos PC, nos tout en fait. On va trouver un truc les gars, vous inquiétez pas, on est les rois de l'impro. Ça va être du sauvage, hein, ça va être du on sauvage. On est les rois de l'impro. Tout sauvage. Par contre, faut un sauvage 4G quand même. Ouais, il nous faut de la la cause, c'est quand même important. Pour les petits potes, au final, on est dans une ville, il y a plein de restos. Qu'est-ce qu'on va faire? En gros, l'objectif, déjà bah on se régale au resto, ça fait plaisir. L'objectif c'est d'essayer de trouver peut-être un serveur assez gentil ou je sais pas ou quoi que ce soit pour pouvoir lui demander de recharger notre batterie externe. Mais attends, mais ça prend grave du temps à recharger ça, non? Non, ça va. En une heure c'est bon. Une heure ce sera déjà pas mal. Ah ouais. Et du coup les gars, les pâtes, on les mange demain soir les pâtes. Quel resto on prend maintenant? Lequel vous donne le plus envie? Mec, il y a tellement de restos là. Les gars, moi je vais pas vous mentir. En plus de recharger, enfin de trouver un serveur assez gentil pour recharger la batterie, ouais, il faut que je vide une autre batterie. il faut que j'aille faire caca là. Elle, pour le coup, elle est chargée. Faut que t'ailles couler un bronze. Ah, celle-là est chargée, oui. Hôtel du Roc, restaurant du Roc. Il a l'air plutôt joli en vrai. Il y a clairement de la place. Ouh, on a trouvé où on mange. Ouais, t'as je demandé vais chercher la batterie avec Dobby. T'as demandé? Elle a dit oui. Ah oui. Oh là là, magnifique. On va pouvoir recharger la batterie. Attends, mais tu la branches là? Il y a une prise? Ah ouais. Tu fais comme chez toi. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez des toilettes? À l'étage. Ok, merci beaucoup. Toilettes. Oh là là, ça fait plaisir. Attention, tu as l'idée. Oh, mais oui! Là, les gars, je pourrais faire un bon petit caca parce qu'en plus, on sait même pas où on dort ce soir. Ça fait plaisir que j'ai envie de faire caca maintenant parce que dans 2 heures, en pleine nature, j'aurais été dans la mouille. Mec, ça fait une demi-heure que tu démontes les chiottes là. Arrête, wesh. Spaghetti bolognaise. Moi, je vais vous prendre une entrée, je vais prendre une douzaine d'escargots, oui. Moi, je vais vous prendre une salade du Verdon, mais servie en même temps que le plat. C'est une grande salade ou une petite? Oui, c'est des belles salades. Bah, je vais prendre que ça, mais comme plat, quoi. T'as pris des escargots, gros? Ouais, je pourrais en goûter, hein. Tu sais que j'ai jamais goûté les escargots. Ça m'a toujours dégoûté. Mais en vrai, c'est bon. S'il te plaît, j'en goûterai un. Hein. Vraiment, là, c'est très très bon. C'est Squeezie qui m'a fait goûter, moi. Ah ouais? C'est vraiment bon. Vas-y, bah, je goûterai, gros. Ah. Finalement, gros, j'en veux plus. Ça va, les gars? Ouais. Vous parlez même plus, vous êtes jetés dessus. Ça, Mich. Ah. Les gars, j'ai jamais mangé d'escargot de ma vie. Attends, mais c'est grave bon. Oui. Attends, mais c'est trop bon. Je pensais jamais que ça avait ce goût là. Hein. Mais par contre, la texture et tout, c'est dégueulasse. Par contre, les gars, je pensais pas que ma salade elle était aussi énorme. Gros, c'est même plus une salade là. Je pense que je vais me régaler. Ça régale. Eh, mais en ce moment, je mange beaucoup de salade. Hein. Je mangeais ci, les gars, c'est l'été. Bientôt les vacances des croutons. Il faut les abdos. Ça va, les gars, vous êtes pas trop en galère là. Les deux à porter la batterie. Bon, du coup, les petits potes, on va pas se mentir. On a repéré un petit parking plutôt sympa ici là. Hop, hop, hop. Oh, il y a une rivière. Demain, ça va se doucher dans la rivière ou quoi? Se laver, ouais. Ouais. Ok, demain, ça va être journée nature, je pense. Oh, oh, attends, c'est incroyable, ça. Mec, c'est magnifique, ah ouais. Hein. On va voir si elle est bonne. Mec, déjà, j'adore l'ambiance. Oh, ça a l'air d'aller en vrai. Vas-y, ferme. Moi, j'ai 21. Du coup, c'est vraiment la wall again, quoi. Van life, vous? Mais vous, est-ce que c'est une van life restaurant ou pas? Non. Ah ouais. Ah ouais, mais attends, mais là, vous êtes bien, la petite musique et tout.
Ouais, du coup, c'est matelas, il y a les affaires dessus. Le soir, vous rangez un peu. Ah ouais, c'est lourd en vrai. Hein. Vas-y, bonne soirée, l'équipe. Bonne nuit, hein. Oh là là, les boss, hein. On a creusé des abonnés en van life. Bon, les loulous, je suis carrément dans mon lit, prêt à dormir. Il est 22h, du coup, je pense que ça va traîner un petit peu sur TikTok. Tu connais, les gars, TikTok, c'est clairement devenu mon réseau social préféré. T'as mis ton t-shirt, on part en boîte, c'est bon? Attends, je finis mon outro et on part en boîte. Ok, d'accord, nickel. J'ai mes petits AirPods, comme ça, je dérange pas les deux autres loustiques. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, un maximum de pouces bleus. On s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, j'espère que je vais bien dormir. Dobby, tu t'es fait manger par un moustique un peu? Bah, là, clairement, ils t'ont piqué déjà? Ouais. De toute façon, verdict demain dans le vlog si on aura bien dormi. Et demain, je crois que ce sera le dernier vlog, les amis. Voilà, voilà. Bref, je vous fais des gros bisous. À demain, les gars. Vas-y, c'est bon, on va en boîte, Dob. We'll be right back.